Bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Je vous présente aujourd'hui quelques nouveautés qui sont arrivées en boutique. Donc cette collection de chez Stamperia qui s'appelle Casa Grenada. Alors, je vais ouvrir le paquet avec vous. Oh, c'est très très bien attaché. Hein. Désolée pour le bruit. Alors, ça se présente. Donc, comme d'habitude, nous avons 10 pages en 30,5 par 30,5. Donc, avec à l'intérieur de la page de couverture, des étiquettes. Et ici, donc, on a une fenêtre. Apparemment, on est dans la cuisine avec une corbeille, avec des artichauts, des roses, des fruits, les grenades, bien sûr, comme le titre de l'album. Ici, vous avez donc une fenêtre avec le jardin et les petites spatules, les moules, les planches à découper. Sur cette page, on a des belles tasses suspendues et de très jolies assiettes de collection. Et sur cette page-ci, de très beaux motifs, comme d'habitude. Là, c'est toujours superbe. Donc, un autre motif un petit peu différent. Ici, on a des étiquettes carrées avec cette image de grenade en cadre. Donc, ça peut faire, par exemple, la couverture d'un album en 2020. Ou alors, vous pouvez découper les petites étiquettes et faire autre chose avec. À l'arrière, on a une façon de tapisserie avec des motifs voilà, de grenades et d'oiseaux. Et ici, un petit mur en pierre. Voilà. De ce côté, la cuisine avec toujours les étagères, des tasses, la déco avec les assiettes, des roses, les fraises, les grenades, un petit escargot qui se promène et ici, le moulin à café. Là, donc 6 belles étiquettes qui doivent faire 10 par 15 chacune. Donc, je vous laisse regarder ces motifs. Avec quelques mots en français quand même, invitation, maison. Bon, là on a des mots en anglais, mais très facile à comprendre. Et ici, des carreaux, façon carreaux de ciment. C'est très très joli. L'arrière des étiquettes, donc ça peut vraiment faire des cartes, ça. Ici, on a très très beaux motifs. C'est très réussi, vraiment c'est très joli. J'adore les couleurs, les motifs. Vraiment, c'est très très bien mis en page. Et là, un côté tout fleuri. Bon, comme d'habitude, vous connaissez ces papiers. On a toujours des fonds comme ça, avec des motifs floraux. C'est très très joli. Ici vous avez le calendrier avec les 12 mois de l'année. Sympa pour celles qui font des petits calendriers. Et à l'arrière de chaque mois, vous avez un modèle de vaisselle différent, une tasse ou une assiette. Là vous avez 12 jolies étiquettes, une pour chaque mois de l'année. C'est super joli, il n'y a rien à redire. Hein. Comme d'habitude, c'est vraiment très très joli. Toutes ces nouvelles collections, donc tous ces embellissements à découper. Vous avez un petit rouge-gorge ici. C'est vraiment très très joli. Je ne peux pas vous montrer tout là à l'écran, mais vous avez vu l'essentiel. Donc avec ça, il y a les die-cuts qui sont assortis. Donc là, il y a 36 pièces, donc des petites fleurs, des belles étiquettes, des grenades. Là, je ne vais pas l'ouvrir, mais vous connaissez le principe, hein, des die cuts assortis en carton un petit peu épais. Pour l'encre, je vous ai mis comme sélection Pink Grape Fruit, qui est un petit peu saumonné, qui va avec. C'est rose aussi de chez Scrapberry.
donc dans les tons un petit peu saumonés. Donc c'est la référence 29-25-04. Je vous ai mis avec ce petit gel pailleté parce qu'il est vraiment dans les tons de vert. Alors c'est vert, un vert un peu vert de gris. Ils appellent ça du jade glacé. C'est assez pâle, mais c'est très très joli pour aller avec. Je vous propose aussi de la dentelle, du ruban fait main, dans les mêmes tons. Vous pouvez assortir sur les tranches de vos albums, par exemple, pour décorer. Et ensuite, dans le rayon mercerie d'Hélène, je vous propose ces deux pelotes différentes de laine aux couleurs mélangées, multicolores. Et regardez si ça va bien avec tout ça. Là, l'une ou l'autre, vous pouvez vraiment la sortir avec les couleurs du bloc. Ça, ça va vraiment avec. Après, dans les petites nouveautés, un aperçu rapide chez Minté, donc des feuilles au détail. Donc celle-ci, City of Love, donc ça sont pour les dames qui font de la carterie ou qui veulent rajouter dans leurs albums un peu plus d'étiquettes. Donc là, ce sont toutes les étiquettes, donc pages d'étiquettes. Donc City of Love, Seaside Escape, nouveauté aussi sur la mer. Pareil, donc vous avez aussi ces pages dans les blocs en 30-30. Et ensuite, celui-ci, Brighton Memories, qui est une collection un peu plus ancienne de l'année dernière, mais très jolie aussi pour faire de la carterie ou des petites étiquettes d'embellissement. Donc ça, super. Après, est revenu en stock les blocs de chez Memory Place avec les petits lapins, donc pour Pâques. Alors c'est du A4. Bon, je vous les avais déjà montrés dans une vidéo. Voilà, vous pouvez regarder un peu plus en détail sur le site de la boutique. Quoi d'autre? Eh bien, après, j'ai une autre collection de chez Stamperia à vous montrer. Encore une nouveauté. Je vous fais une petite vidéo juste après celle-ci.